congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouve les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a dernièrement reçu en audience l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba Gombo et Mme Lissi Tamlin ont échangé sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le diplomate américain est venu renforcer le point de vue des États-Unis d'Amérique, celui de voir la feuille de route de Luanda et les accords de Nairobi être appliqués à la lettre par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Je viens de m'entretenir avec Son Excellence, le ministre de Défense. On a parlé par rapport à la situation sécuritaire dans le pays. Et moi, j'ai renforcé le message des États-Unis qui c'est important de respecter les accords de Nairobi et de Luanda. Et nous tenons là-dessus. Donc, on va continuer notre diplomatie bilatérale, multilatérale, pour que ces accords puissent être respectés. Et nous demandons à tous les parties prenantes de respecter le feuille de route pour les forces rwandaises de quitter le pays et aussi pour les M23 de faire le recul vers le point indiqué dans l'accord de Luanda. Nous respectons les activités du gouvernement pour renforcer le dispositif sécuritaire, mais nous demandons aussi à toutes les parties prenantes d'assurer qu'il y a une bonne coordination et que surtout que les droits des citoyens et des personnes déplacées sont respectés, parce que vous avez maintenant dans l'Est une situation humanitaire catastrophique. Nous sommes le tout premier pays pour répondre aux besoins, mais il faut qu'il y ait de la paix pour que ces citoyens puissent retourner chez eux. La coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo ont également fait l'objet des échanges entre les deux personnalités. Pour l'ambassadrice Lissi Tamlin, toutes les parties prenantes à la recherche de la paix à l'est du pays doivent s'assurer de la bonne coordination des activités et du respect des droits de l'homme et des personnes déplacées en vue d'une réponse efficace aux drames humanitaires au nord Kivu. Sur les Eu égard à cela, la 34e région militaire a mis en place une task force. Nous avons pris en compte la cartographie de la ville de Goma.
et nous avons ciblé les quartiers. Ces quartiers, nous les avons divisés en sous-quartiers. Et dans chaque sous-quartier, nous avons ce qu'on appelle la task force. L'objectif, c'est lequel ? C'est cette sécurité participative, de manière à ce que toute la couche de la population puisse participer à la sécurisation de notre ville. La task force de sécurité a ainsi créé et composé de toutes les couches de la population. La task force en question est composée de toutes les couches de la société. Je voudrais dire ici, que ce soit les mouvements citoyens, les tchoukouders, tout le monde, les musiciens, tout le monde fait partie de cette task force. Et même les mamans qui vendent dans les Nganda. Donc aujourd'hui, vous qui êtes bandits, faites très attention. Vous allez penser que c'est une simple maman qui est dans les Nganda. Or, elle fait partie de la task force. Donc il suffit tout simplement que vous me comportez. Seconde, on met la main sur vous. Et ça, les résultats, vous les voyez déjà. On a arrêté beaucoup, beaucoup de gens. C'est grâce à cette task force. Des numéros verts ont été ainsi donnés à la population pour dénoncer tout cas suspect dans tous les 18 quartiers que compte la ville de Goma. Poursuivant ces activités d'accueil des groupes armés locaux et de sensibilisation à la réédition dans la province du Tanganyika, le commandant 22e brigade de réaction rapide et des opérations Usalama, le général Dunia Kashindi Fabien, a visité les rendus de la milice Apanapale, communément appelée Élément, ce jeudi à 18 km de Kalemi, dans la localité Moulangé. Arrivé sur terrain, le commandant a largement échangé avec ces derniers sur la vision du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est de pacifier toute l'étendue de la République démocratique du Congo en général et le Tanganyika en particulier. Mnajua, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mon vision est que Aïchi, mon nouveau ministre de la Défense, mon amboka Jean-Pierre Bemba Gombo, et avec l'ensemble de l'équipe à gouvernement, aïna dame Kumandika. Option ya sasa, ni inchi kuingie kimia. Qu'on le veuille ou pas, kimia inapasha ingie mon. C'est la cause pour laquelle le chef d'état-major général, Christian Tshiwewe, le toga Kinshasa, à Kayati Kalemi, ma visite, il y a inspection à travail. Ya kuniuliza quel est l'état de situation ya sécurité à province ya Tanganyika. Il a notamment mis un accent sur certaines pratiques et comportements que doivent afficher ces ex-assaillants vis-à-vis de la population en vue d'une bonne cohabitation pacifique. Et tout muta ozuru dete la kupori parce que koko programme ba tu bote ba toke kupori. Mwenye atabaliwa na bangi atafungiwa. Na hapana mtu kusimamisha watu mwa barabara au leta makuta motard. Je ne veux pas ça. Enfin, en attente des dispositifs de regroupement et logement en cours par le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et sociale, PDDRCS en sigle, le commandant des opérations a fourni encore une fois des vivres s'agissant de farine, haricots, huile, riz, poisson, sel, tomates et marmites pour un bon confort de ces derniers. Le commandant de défense m'avait envoyé des petits moyens dans un premier temps à Kumusia Chakula. Mais la fois passée, il n'y a pas de compétition à Chakula, il n'y a pas de compétition à Chakula. Ensemble, l'équipe armée, quand il y a chef d'état-major général, qui s'est dit qu'il n'y a pas de compétition, tu n'as pas de compétition à vous utiliser ma moyen, tu n'as pas de compétition. De leur part, satisfaits, ils ont décidé de quitter totalement la brousse et revenir à la vie communautaire. Quatre prisonniers inciviques tombés dans le filet des éléments du bataillon PEM, prévôté militaire, lors de la patrouille nocturne du jeudi 18 au vendredi 19 mai, sur la route Montabor à Soud, à la commune de Matadi, sont présentés au commandant de la 12e région militaire que dirige le général-major Dieu Gentil Alain Bianzambé par le commandant de ce bataillon, le colonel Mauricio. Le commandant de la 12e région militaire et commandant en place adresse ses félicitations à ses hommes et une mise en garde
contre les inciviques avant de rappeler la mission des forces armées de la RDC, outre celle de défendre l'intégrité du territoire national, elle participe également en temps de paix au développement socio-économique et culturel ainsi qu'à la protection des personnes et des biens. Moi, ma jeune garçon, au début, je pense que je suis un homme qui a été porté, qui a été porté, qui a été porté, qui a été porté dans notre abino. Seul un d'entre eux est relâché faute de preuves. Les trois autres présumés sont amenés à la police nationale congolaise, commissariat urbain de Matadi, qui à son tour va les transférer au parquet pour être jugés. Organisé par les SECAS en partenariat avec la MONUSCO et l'Institut d'Alain, l'atelier sur les processus d'élaboration et de vulgarisation du code d'éthique et de conduite du militaire des FRDC s'est ouvert le jeudi 11 mai 2023. L'amphithéâtre Maréchal Mobutu Sese Seko du Centre supérieur militaire en a servi de cadre. Le but poursuivi de renforcer les capacités des formateurs vulgarisateurs sur les thématiques contenues dans ces projets de code. Dans ce monde des circonstances, le commandant Sego du SECAS, le général-major Bombele Kamil, a remercié le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FADC pour sa vision du changement des mentalités des militaires congolais. Il a également demandé aux participants d'assimiler toutes les thématiques prévues. J'aimerais aussi remercier le vice-premier ministre de la Défense nationale, ancien combattant, ainsi que le chef d'état-major général des forces armées pour leur mise en œuvre de cette vision du commandant suprême des forces armées. Aux participants sélectionnés, un grand travail nous attend dans les jours à venir. C'est ainsi que vous devez être assidu, vous devez assimiler toutes les thématiques contenues dans le code d'éthique et de conduite du militaire afin d'une bonne transmission lors du moment que vous serez sur le terrain. Prenant la parole, Mme Oudjou Oubia, chef de section des réformes du secteur de sécurité et représentante de la MONUSCO, a expliqué l'importance de ces codes d'éthique en cette FRDC. Elle a également salué le rôle joué par les formateurs dans la transmission des valeurs éthiques. Chers partenaires, le projet de code d'éthique et de conduite militaire est une part importante dans le processus de réforme institutionnelle. C'est pourquoi je suis très appuyé à l'occasion de l'ouverture de la formation des formateurs sur les codes d'éthique et les conduites de militaires et FRDC. Bien d'abord à l'adresser à travers les États, les autorités du pays pour l'importance qu'elles manifestent pour l'adaptation des FRDC. En tant que partenariat engagé, la MONUSCO et ses partenaires ici présents, notamment l'ambassade de la Main et l'Institut d'Alain, sont convaincus que cette formation renforcera la renommée des FRDC et permettra aux militaires d'agir avec la plus grande intégrité et responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. Bien avant, le général-major Tambou Kabam Irbe, commandant du groupement des écoles supérieures militaires, a souhaité la bienvenue à tous les participants à cet atelier de 10 jours. Qui ne cesse de faire monter en puissance les forces armées, sa priorité absolue, qui passe principalement par une meilleure formation des cadres et militaires en général. Mes remerciements s'adressent également au sein des cadres généraux des forces armées de la République démocratique
souci permanent de mobiliser tous les moyens nécessaires en faveur de la formation au sein de nos forces armées. Finalistes en fait des stages à la télé des coupes et coutures de la base logistique centrale ont terminé leur formation le jeudi 18 mai 2023. La cérémonie de remise des brevets de fin de formation a été présidée par le général de brigade Longonjo, commandant de la base logistique centrale. Cette formation pratique a regroupé les étudiantes de l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, celle de l'Institut supérieur d'enseignement technique des arts et métiers de Kinshasa et quelques épouses et enfants militaires. Dans son adresse, le commandant de la base logistique centrale a félicité les lauréats, le courage, l'acidité, les soucis de bien apprendre et de se rendre utile dans la société. Il a également donné une autre mission de l'armée, celle d'assurer l'apprentissage des métiers qualifiants aux dépendants des militaires. Au nom de tous les stagiaires, Mademoiselle Inobo Tchassa a salué la qualité des enseignements reçus et remercié les encadreurs pour leur professionnalisme. Elle a en outre remercié les autorités militaires pour la disponibilité de laisser les portes des ateliers de la base logistique ouvertes aux étudiantes civiles. Sans remercier les autorités qui nous ont assisté de loin et de près pour la réussite de notre formation. Je vous exhorte de bien faire si vous aurez l'occasion d'avoir une autre promotion pour la formation. Vive les forces armées de la République démocratique du Congo. Vive la République démocratique du Congo. Devant vous, c'était la tribune de Tchassa Arlène, surnommée la tailleuse du mouvement. Aussi a-t-elle exprimé la gratitude des stagiaires pour les encadrements par l'armée des dépendants des militaires. Au terme de la cérémonie, le commandant de la base logistique centrale a livré ses impressions. Nous sommes en train de former nos jeunes gens et nos fils et nos enfants pour une formation professionnelle. Nous n'avons pas seulement la télé tailleuse ici à la base. Nous avons aussi l'atelier bois, en formant les menuisiers. Nous avons aussi l'atelier mécanique. Et la hiérarchie a acheté de nouvelles machines qui, dès qu'ils vont installer, nous commençons à fonctionner les jeunes gens pour le métier de leur vie qui ne soit pas dans l'oisivité. Le commandant 31e région militaire et commandant en place, le général-major Mushingamish Timothée et ses deux adjoints ont été entourés par leurs collaborateurs dans la salle d'opération ce vendredi 29 mai 2023. Les directeurs, les commandants des unités rattachées ont été présents à cette réunion de commandement. Deux points ont été fixés à l'ordre du jour. L'adresse des services spécialisés et la communication du commandant 31e région militaire. Prêtant une oreille attentive, le général-major Mushingamish Timothée, commandant en région et commandant en place, a été saisi sur la situation sécuritaire de son entité, au Piengé, celle de la communauté Mbole et Lengola, malgré que certains cas de banditisme sont manifestés et signalés dans les centres-villes. Ramassant toutes les données, le commandant 31e région militaire a informé à l'assistance à certaines plaintes évoquées et habits commis sur les opérations qui sont menées pour remettre la paix entre le peuple Mbole et l'Engola. Une occasion pour le commandant. Le commandant région a rappelé à l'ordre et la mission de faire décès en temps de paix. Participer au développement du pays. Pour le général, la compagnie génie sera au secours de se déplacer pour la construction des tentes. Un travail qui sera commencé bientôt. Après son séjour en mission de service qu'il a conduit à Kinshasa,
Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbango Machita Marcel, est de retour à Kisangani. C'est dimanche 21 mai 2023 à 12h35 par l'aéroport international de Bangoka. Reçu au pied d'avion par les commandants adjoints de la zone de défense et les commandants de la 31e région militaire, tous les commandants de grandes unités de la garnison de Kisangani se sont mobilisés comme un seul homme pour souhaiter bon retour au commandant de la 3e zone de défense. Notez qu'après les honneurs militaires au milieu de la haie sous le commandement du colonel Kilundu Calvin, les cortèges a pris la direction de sa résidence officielle située dans la commune de Makisso pour un repos. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouve les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele, Yamboka Nabiso.